sans voir le texte et tout. C'est stylé. Oh, c'est quoi ce ping? Ah bah non! Le ping qui vient des enfers! Ah bah non, monsieur, on avait dit pas le ping, pas le page. Voilà. Oh oui, d'ailleurs, et enfin, ça n'a rien à voir, j'ai commencé Outer Space, du coup. Et il est vraiment cool. Outer Space. Je jouais hier. Il s'appelle Outer Space? J'avais oublié qu'il s'appelait Outer Space. Il est vraiment cool. Je pense que ce sera ton cadeau d'anniversaire. Oh, mignon. Ouais, c'est par les gens d'Obsidian, là. Oui, c'est pas une question, t'inquiète. D'accord. Tout va bien. Il me semble, j'espère que je dis pas de conneries. Une fois sur deux, je dis une connerie. C'est vrai. Enfin, je dis pas de conneries. Y'a un chien sur moi. Il est mort. Il est assommé, il est neutralisé. Bon, qu'est-ce que tu fais là avec ta rambarde? Y'a un chien. Enculé. Mais vas-y, nique ta mère le chien. Et merde. Nuée. Tu t'en doutes. J'ai entendu de loin. En fait, il y avait un deuxième chien, j'essayais de le buter avec l'arbalète, mais je sais pas viser. Bon, laisse tomber, mec. Ça ne vaut pas la peine. Bah, sinon, en fait, c'était la même meute que celle qui t'a chopé, quoi. Du coup, il m'aurait juste chopé aussi après, donc. J'ai préféré supprimer la menace afin qu'elle ne devienne réelle. C'est ça qu'on a le poney friendly. Poney friendly. Ouais, il me semble du coup que le jeu dont tu me parles là, c'est d'Obsidian, c'est les mecs qui ont fait, si je dis toujours pas de conneries, les Pillars of Eternity et Fallout New Vegas. Merde. Ah, Fallout New Vegas, c'est eux. Cool. Il me semble. On va vérifier, mais trop bien. On vérifiera ça après, hein. Après deux matchs. Ah, je suis celui-là. Ah hein? Je suis sur Wikipédia, là. Ah. Ah bon? Ah. Non, c'est faux! Oh, mais quel incroyable luron! J'ai blagué! Petit blagueur. J'ai cru voir des explosions là-bas. Juste là, genre là où il y a le marqueur. Ah, donc très proche. Très proche, ouais. Donc ça fait peur. Oui. Merde. Des chiens, attention. Il y a 1 milliard en plus. T'as tiré dedans là? Ouais. Mais. C'était pas sur moi. Je pensais que ton plan c'était les buter. Non! C'est juste des chiens, attention. Donc il y avait les mecs que tu disais à côté. J'ai pas envie de lancer un fight, mais. On va les avoir. Rentre dans la prison. Ça me stresse. J'entends les gens qui courent dehors. De ton côté? Ouais. On va fermer la porte ici. Je les attendrai à la porte. Je l'ai touché, mais il va soigner.
Oh putain, je posais une mine, enculé. Ah, terrible. Ah non! Je savais pas où il l'avait lancé, je pensais que c'était à mon ancien. Ancienne position. Dommage. Ouais. Putain, quel blaireau. Je pensais pas qu'il rouvrirait la porte comme ça. C'était trop stupide de faire ça de leur part. Généralement, dès qu'on a un plan et que ça se passe pas comme prévu, vaut mieux le laisser tomber et passer à autre chose. Le 7 fois je l'aurai, ça marche bien pour Libby Pécoyotte, quoi. Ah, on va juste mettre une mine à accordéon et se barrer, tu sais, pour couvrir nos arrières. Mm-hmm. Mais juste au moment où j'ai posé la mine, ils ont ouvert la porte, quoi. Enfin, mm-hmm. C'était un truc improbable, quoi. Ça fait du bruit quand on pose des pièges, en plus, je crois. Sauf si t'as le trait. Ouais, mais là, le mec était vraiment juste à côté. Genre, à peine j'ai commencé, il a posé... Ah non, il y a pas de trait pour mettre... Ah si, il y a un trait pour le bruit. Pour les pour poser les mines. Ça semble, attends, je vais vérifier pour être sûr. Que je dise pas de bêtises. Ouais, braconnier permet de placer et désarmer les pièges en silence. Ah. C'est comme le bruit quand tu restes ton pote. Tu peux l'entendre aussi. Ouais. C'est pour ça que là j'avais fait le feu et après j'avais commencé à 13 et j'ai arrêté ensuite. Parce que comme par hasard, il y a un mec qui arrive à ce moment-là, bah parce qu'ils écoutent. Ok. Ok. Très bien. Je ne pleure pas. Pas du tout. Oh, on a déjà eu 2 victoires. Hein. Ouais. Puis là, alors moi, j'aime pas trop la prison. C'est un endroit qui est super intéressant, mais j'arrive pas à le gérer parce qu'il est très vertical et horizontal en même temps. Ouais. Mais il est super intéressant parce que bah, justement, il y a verticalité, horizontalité, et puis il y a plein de matériaux différents sur lesquels tu fais du bruit. Du coup, selon que ce soit du métal ou pas, c'est d'autres zones, donc c'est intéressant, quoi. Mais j'ai vraiment du mal avec celui en termes d'efficacité, par contre. Oh oui, donc, c'est complexe. Donc c'était chaud. Mais le combat restait cool. Dommage qu'il était buté avec le piège, là, forcément, mais... Mais dans le principe, c'était quand même rigolo. Oui, et puis l'autre groupe qui est venu après. Ouais. Ah, j'espérais secrètement que le groupe qui était mort...
entre les deux groupes était justement celui qui nous avait battu. Comme ça, l'autre nous oubliera un petit peu. Mais... Au fait, par rapport au sac à viande, j'ai découvert un truc. Tu te rappelles, on disait que le sac à viande et le boucher, ils se ressemblaient beaucoup. Ouais. Mais en fait, le sac à viande, quand tu le tues, il donne un dernier coup comme le boucher. Ouais. Ah, ok, bah, j'ai découvert ça. On l'avait mentionné quand, bah justement quand on disait qu'ils se ressemblaient. Ah bon, un jeu. Mais bon. Du coup, j'étais. Oh bah! Oh c'est pas vrai! Un petit détail. Et quand tu les exploses avec ton harpon de chat qui donne un coup, peut-être? Ça. Ah, ça. Je sais plus. En parlant de spectre, ben, monospectre. Monospectre. On parlait de spectre? Hein? En parlant de spectre, on parlait de spectre? Un peu. Ah, j'ai essayé les duals, bidule. Oh, oh, oh! Le mec est chaud. Oh là là, c'est dual le mat. Sniper et dual le mat. Ah là là, ça te fait double shotgun aussi. Ouais. Ça se passe comment d'ailleurs les coups au cactus? Ah d'accord, c'est le coup habituel avec un seul pistolet comme ça. C'est avec deux. Ok, on peut aller bah, où tu veux. Ouais, voilà la maison. Voilà la gare. Ok. Ou peut-être au fort plutôt. Tant qu'à faire la distance, autant aller au milieu de la map. Ok. C'est sud-est. Oh la vache, ça fait tellement mal quand je suis tombé. J'espère que ça fera autant de dégâts. J'avais poids plume sur l'autre perso, du coup je me suis habitué comme un con. Oui, et les consommables ici. Moïse. Consommer. Consommer. Je suis trèche avec ma lanterne. Tom Berry. Je récolte les âmes. Et des fins. Ça. Oh. Les gens morts, les. Ah, ça. Ya! Qui s'énerve là-bas, des joueurs de Draven. Des joueurs de Draven. Ah, on a encore le fort. Prendre le deuxième. Nice. Bien fait d'aller au fort, hein, parce que la gare a disparu. Oui. Bravo. Dridri, ta lanterne. Elle est tombée. Mais j'ai un autre ami. C'est au sud, la briqueterie. D'accord, t'as un ami derrière toi. Hein. Il est mort. Avec sa hache. Oh oui.
Je peux entendre un poney devant nous. Ouais, pareil. Ce qui est dans le bâtiment central en face. La briqueterie, elle se défend comme un porc. C'est pas la porcherie ? Je comprends plus rien. C'est très très chiant de défendre. Ouais, y'a quelqu'un dessus. Ah non, c'est blanc. J'arrive. Vous amusez en haut, les garçons. Oh la vache. Un spectre. Il y a un fantôme dans cette maison. Je touchais. Reste pas devant la, le trou. Oui, je peux me permettre. Et je me permets, ok. Il m'a touché. Les subdivisions, il vient de battre. Ah, Bruce. J'entends des bruits. Je crois. De pas. Je recharge. Ça prend un peu de temps. Parce que j'ai tout déchargé sur sa gueule. Ok, pas mal. Bon, on n'a pas de sortie. Enfin, si, on en a une au sud, mais il faudra quand même marcher un petit peu sur l'est. À peu près à la même distance, on en a une au nord-ouest. Un carreau là, si jamais. Oh, j'ai fait plein. Okay. Oh, y'a quelqu'un derrière la porte là. Tu l'as vu? J'ai tellement niqué sa mère. Je balance un explosif, il a cramé son cul. Ah. Ouh, waouh. Il nous guette d'entre les ouvertures des murs. Ah merde. Il est encore derrière, tu penses? Là, à la porte? Ah, je sais pas du tout. Je peux lancer un truc.
Je ferme la porte juste pour... Oh la vache. Ok, tout le monde là-bas. Si on prend, on prend. Il y a du monde alors? Ouais, ils sont trois du même côté. Ouais, ils sont pour se battre. 3 ça va. On plus que 2 hein, vu le bruit. Ok, il y a un gars qui est là juste en dessous du truc. Je vais lancer une grenade aveuglante et on le blitz, ok? Ok. Oh fuck, laisse tomber en fait. Okay. J'en ai vu un là. Yes, one shot. Attention, on tire dessus. Bien joué. Il en reste combien là? Il en reste encore un seul. Fuck. Je vais sur lui. Hein. Ok. J'ai plus de vision, si tu peux me le montrer. Ouais, attends, je suis en train de me soigner. Ok, il doit être quelque part là-dedans. Là. Ah, il est là, il est là. Okay. Oh, il y en a deux. Ah merde. Là, derrière le wagon en pierre. J'ai tué. Ouais, headshot aussi. Excellent. Vas-y, tu me guides. T'es mon Jérémy. Y'a plus personne, mec. T'as eu les deux? Bah ouais. Wow. Bravo. Je vais le pied vite pour avoir une petite seconde de vision et checker. Oh oui. Bah je vois plus rien. Cool. Bah mec, t'as juste fait tout le monde quoi. T'as été une véritable tourelle. Tout le bordel, fête. Du coup, il y en avait plus qu'un seul quand même. Il y en avait pas deux là. Bah ouais, il y en a qu'un seul. J'ai mal vu. À la vision, j'en voyais qu'un. Mais après le mec. J'ai entendu un seul EA, mais il a réussi à en avoir deux directs en headshot, c'est incroyable. En tout cas, t'as géré, mec. Hein. GG. Allez. Tentez de faire le chemin qu'il nous reste à faire. Pourquoi on va vers le nord là? Ah bon, sinon on va vers l'est. Pardon. Juste qu'on faisait un petit. On fait un petit tournant. J'allais dire, je me laisse pas tout seul. Mm-hmm. Oh, je t'attends à côté, t'inquiète. Cool. Sympathique ce jeune garçon. Les deux headshots au Bornheim là, ça fait plaisir. Oh bah oui, bravo. J'espère que ça va finaliser l'XP de cette arme. Ah bah, mieux s'en sortir en vie du coup, hein, si tu veux avoir tout l'XP. Oui. Je check un coup devant. Vas-y. J'ai rien vu. Chien. Ouah, chaud. Il a presque eu son repas, lui, hein. Son petit steak. Voilà. Son filet mignon. Ah, tu me trouves mignon. Ah, beau petit filet. Son petit filet dégueu, quoi. Check. Y'a ennemi. Pas très loin, midrange. Ah ouais, j'avoue. J'en ai vu qu'un seul, par contre. J'envoie une aveuglante. Et go. Il est où? Petit bâtard. Ah, il est là! Ah non, c'est un zombie, je suis un connard. Je vais donner ma position gentiment.
Oh fuck! De là-bas, de nord-est, de 45. Oh oui, oh, la petite culbute, la petite hein colline qui nous a sauvés. Ah oui, oui. Oh là là. Avec ce silencieux chaud en plus. Là. Oh. Le mec était chaud. Moi, je n'ai pas du tout été le gars. Oh, on était l'un sur l'autre. Ah mode... oh, ouais, mais parfait. Les grenades aveuglantes après pour le niquer, c'était parfait aussi. Mais t'es une mini colline derrière la mini colline. Ouais. Fais de la place, fais de la place. Nous sommes d'une fougère. Nous sommes d'une fougère. Mais mec, troisième victoire sinon hein. Et bravo, bravo. Oui. Et t'as eu le tout spectre. L'XP de tes headshots au Bornheim. Oh, quel plaisir. Et je crois que j'ai eu le boss aussi. Oh là là, oh là là. Oh. Oh. Gain de l'XP. Mais c'est dommage parce qu'au plus tôt on finit tous ces XP... Ah oui, ça y est, je l'ai eu. Yes, bref. Au plus tôt on finit ces armes et au plus tôt on peut avoir des armes qui nous plaisent et maximiser les chances de gagner les boss. Le boss que tu dis. Bah j'ai fini la série des Bornheim, je suis bien content. T'as fini la série? Tu l'as binge-watché? Hein ah, je l'ai binge-watché. Bah bon, vend tous les Bornheim. Je me retrouve avec l'arbalète du coup. Qu'est-ce qu'on va acheter? Pouf, ça dégage. Allez, un petit Mosin-Nagant au braise. Pistolero, ça marche que sur un seul flingue. Genre ça marche pas si t'as double flingue. Ah, bonne question. J'en ai fichtrement aucune. Okay. D'accord. Mais non, mais je vais le prendre. Ah oui. En mais tu fais bien. Vu que 7 points, c'est pas grand chose. Allons-y. Ah, j'ai pas pris mes points de... Attends. Prends tes traits. Tes traits. Oh bah vache, Mosin-Nagant, même la petite version, c'est 136 dégâts, 250 mètres effectifs. 156 dégâts. 136. Ah oui. Quand même. Mosin-Nagant. Oui, il est super. 550 en vitesse balistique. Ouais. Bien. Et en plus, il y a 5 balles. C'est fort. Ça a l'air fort, oui. En tout cas. C'est fort, ouais. C'est fort, c'est à longue distance. En plus, ça prend que 2 cases. C'est pas mal. Et t'as une version avec un chargeur de 15 balles. Ok. Par contre, du coup, t'as 0 balles à côté. Mon chargeur, c'est le plus gros des chargeurs. Non, tu recharges pas. Mais ouais, cette série, elle est cool. Cette série d'armes. Une version tireur d'élite, celle qui est la lunette niveau 3 là, que j'utiliserai à la hanche du coup, pour faire de l'histoire. Que j'utiliserai en décoration, hein. Ça, pour couper le fromage, avec la baïonnette. Donc ouais, ça va pas relou. Pour les petits pique-niques. Et sinon, ouais, c'est cool. Petit fromage saucisson. Là. Oh oui. Bon sang. Ah, le Bornheim foudre qui sorne d'un gros puits. J'ai eu peur, hein. Hein. Le D était pas sûr, hein. Entre le D et le T, hein, c'est... Un gros quoi? Le Bornheim foudre... Le D... Ah, il est bête en rouge. Il y a l'accent alsacien qui est ressorti d'un coup, là. Bornheim foudre. Il a rôlé les ennemis, innocemment mortel. Mon père, c'est vous? Et on va aux acres dorés direct. Oh, c'est la brume. C'est la brume. La brume. La brume. Mais oui, go zone 2. Hein. Il y a 4 lieux et la sortie à côté. Donc, ça donne envie quand même. Et c'est l'araignée, c'est même pas le spectre. On aurait dit une annonce pour un truc pour enfants, un spectacle. Et c'est l'araignée. Bonjour, je suis l'araignée. C'est pas drôle, ok. Il y a des gens qui sont fait manger le cerveau. Et c'est pas un sujet de plaisanterie. Ok. 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 Ok.
t'ai foncé. Tu te la prends celle-là, hein. Waouh. Eh hey, mec, sérieux. Mais tu sais que maintenant je dois me soigner. J'avais une petite barre de vie. Je te soigne, je te soigne. J'ai une petite barre de vie. Viens là, je te soigne. Ouais, tiens, soigne ça. Non, on est mangé, non. Je rentre chez moi. Oh, elle prend pas comme ça, allez, viens. Bon, bah, faux départ. On recommence. Ah, on est content, on est amis. Jusqu'à la mort. Allez, sérieux. On est sérieux. La mort vous sépare. La mort. Tu veux pas la tuer? J'essaye. Ah putain. Désolé. Elle est où la ruche? J'ai buté, ah. Ça y est. Ah, c'était toujours la même? Oui. Ok. Enfin, pour moi, je croyais que c'était une autre. Ah, il est là le spectre. L'araignée. C'est l'araignée, les enfants. Eh ben, heureusement qu'on a fait vraiment un départ canon. Grave. J'ai du feu. Je vais mettre le feu. Attention. Bah vas-y. Elle est où? Ah là là, la bête est là, la bête est là. Bam. Elle souffre. Regardez comme elle souffre. La bête. C'est moyen le ratio feu avec ce truc quand même. Hein. Le ratio dégâts intérêt. Ouais, ouais, gros. Est-ce qu'on jette ça ici? Super ta vie. Sinon, l'araignée ou. Waouh! J'espère que c'est toi qui as tiré parce que je suis une bastos pas loin. C'est possible, j'étais au peuple. J'ai pris la moitié de ma barre de vie. Elle est où? Elle est colère? Oh merde, elle m'a sauté dessus! Oh non, j'ai tellement plus de vie! Faut que je me soigne, mec. Hein. Non, pas sur moi, pas sur moi. Ah, faut vraiment que je me soigne. Parce que j'ai le poison, oh, faut que j'attends que le poison passe. J'ai l'agro. J'utilise une seringue, rien à battre. Oh fuck. Ok. Allez, on a fait la moitié là. On accélère. Il est où? Mais je vais en haut, elle va en bas, je vais en bas, elle va en haut. Je te dis. Il y a d'autres mecs, hein. Il y a du CQC à côté. Pour la finir, c'est qu'on soigne. Okay. Ok, cool, rituel. Dès qu'elle aura fini de faire oh, ah, je meurs. Ah. Nice, et du coup, il y a des joueurs. Ici, avec moi, en face. Fuck! Il m'a eu. J'ai touché, mais ça n'a pas suffi. Je recharge.
Il est encore là, au même endroit, mec, au même endroit. Il m'a encore eu. Même ouverture, même porte. Il est accroupi en mode. Hey. Wow, faut lancer. Bravo. Je crois qu'il est seul. J'espère. Parce que j'ai plus de barre de vie. Hein? Ça tirait là? Non, non. Sûr? Je crois pas. Okay. Ok, j'ai plus de trousse de soins, j'ai plus de seringue de soins, j'ai plus qu'une grande et une petite barre de vie. Ok, on va sortir vite alors. Fais gaffe, en bas, les deux portes coulissantes, il y a des pièges, des mines. Ouais, limite, je vais aller en bas. Hein. Merde, non, mais quel con, le j'avais pas vu qu'il y a une grenade à poison. Je peux te soigner encore, tu vois. Voilà, pour moi, je suis empoisonné. Là, j'ai perdu la petite barre de vie, il me reste plus que la grande. S'il y a des soins en bas, je peux les prendre. Ça. Viens là, y'a pas de soins. Merci. C'est chaud, mec! Oh oui. Je check un coup. Ok. Y'a un gars au nord. Hein. D'accord. Ça tombe bien, on va à l'est. Il se déplace vers l'est. Hein. Ok, allez, viens. Alors la porte. Ah oui. Ah oui, les zombies. Pas d'ambiance. Il y a à côté, ici. Ah putain. Comment je les ai pas vus? Je les ai entendus moi avant de les voir. Putain. On est passé juste à côté, il y avait les bruits de pas, ils couraient à côté. Oh là là. Naze. Dommage. Dommage. Puis là, on se couche dessus, j'étais par terre. Oh, toi, t'es mort tellement de fois. Mais je suis mort deux fois avec le même mec. Ah ouais. Le mec, il était chaud aussi. Bah, il a mieux tiré que moi, quoi. Après, tu vois, niveau mobilité, slash le tir. Je pense qu'on était pareil, hein. J'aurais été pas meilleur que moi, mais... Enfin, il était meilleur sur ce fight, bien sûr, mais je veux dire, en règle générale. Mais eux, j'ai rien compris, par contre, les deux, là... Bah, il y avait les bruits de pas, et du coup, j'avais encore des secondes, donc j'ai fait la vision sur l'autre côté, quoi. Ouais. J'ai rien capté, vraiment, j'étais sûr qu'il y a juste le mec, là. Enfin, bref. Ça, c'est des préconceptions, ouais. Bon monsieur. C'est le piège. Que voulez-vous? Je sens ce combo arbalète légère, j'aime bien. De quoi? Le combo que j'avais, j'aimais bien. Je vais dire. T'es content? Oui. Ça, j'ai déjà, ok.